Bonjour. Ce message est adressé au colonel Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président, au lendemain de votre prise du pouvoir, la majorité des Guinéens ont applaudi. Ils ont applaudi non seulement parce que vous avez été comme une sorte de libérateur du peuple de Guinée avec la volonté de dire, mais aussi parce que vous nous avez fait des promesses que la plupart des Guinéens voulaient entendre. Mais depuis le 5 septembre, bientôt 6 mois, nous sommes lancés dans une processus de transition complètement flou. Flou parce que rien n'est défini clairement. Et on se plie où on s'en va avec un CNRD composé de personnes inconnues. Nous assistons également à la mise en place d'un CNT taillé sur mesure. En plus, dans la nomination de votre gouvernement, vous favorisez votre entourage. Certes, vous faites semblant de former un gouvernement d'union nationale, mais quand on regarde de plus près, on voit tous les postes stratégiques sont attribués à une région ou une communauté. Monsieur le Président, changez votre stratégie pendant qu'il est encore temps. C'est une opportunité pour vous d'être dans l'histoire de la Guinée dans le bon sens. Tous les présidents qui sont passés avant vous ont gouverné de la même manière et ont toujours fait de beaux discours et des promesses non tenues. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas rassembler le peuple de Guinée en agissant de la sorte. Si vous ne changez pas votre manière de faire, vous allez faire échec. Inutile de vous rappeler, Monsieur le Président, que votre échec, c'est l'échec des Guinéens. Et votre réussite, c'est aussi la réussite des Guinéens. Peuple de Guinée, il est temps qu'on se réveille. On a toujours accusé nos gouvernants de notre retard et de la mauvaise gouvernance. Mais nous aussi, on a une part de responsabilité. Parce que nous soutenons nos gouvernants le plus souvent dans le mauvais sens. Cela doit changer. Peuple de Guinée, ne soutenons pas pour soutenir. Soutenons toute personne qui veut rassembler le peuple de Guinée en mettant tous les enfants du pays au même pied d'égalité. Ne soutenons pas quelqu'un qui va nous diviser ou diviser les enfants du pays, quelle que soit son appartenance ethnique ou son bord politique. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.